Eh bien bonjour à tous, c'est Cassilix et on se retrouve sur Warframe, et oui, et donc on se retrouve pour le tirage au sort pour les 1500 platines, et oui, que je vous avais proposé sur la fameuse énigme des de la FAQ des 5000 abonnés, j'allais dire des 500 000. Non, je vous dis, ça c'est une prédilection en fait. Donc voilà, donc eh bien écoutez, déjà je vais vous donner la réponse avant de... Parce que du coup j'ai noté toutes les... Enfin, tous les pseudos, ben d'ailleurs il y en a beaucoup, tous les pseudos YouTube de ceux qui m'ont donné la bonne réponse, et vous doutez bien que cette réponse, et oui, dans la majorité vous avez tous trouvé, c'était bien évidemment Excalibur Prime, ou Excalibur. Alors du coup c'est vrai que ça collait vachement à ce monsieur, à ce pépère, à cette Warframe emblématique, et c'est vrai que du coup... Elle est légendaire, mais légendaire pas parce que c'était Excalibur, la Warframe. Je parlais plutôt d'Excalibur, l'épée, et oui, qui est quand même légendaire. Donc une vieille, vieille histoire hein, qui date, oulala, de très très loin. Et donc évidemment, ça reste une légende, la grande épée Excalibur. Et donc voilà, donc évidemment, tout se rejoignait. C'est vrai que en se creusant un petit peu la tête, on trouvait très facilement. Et effectivement, il y avait un fond d'écran derrière. Excalibur qui m'est cher à Mirage. C'était un montage de moi-même sur Garry's Mod. Et oui, je me souviens. J'adorais faire des petits trucs comme ça, bizarres, des positions un peu chelous. Mais bon, c'est un très beau screen. Je suis très fier. Et oui, Excalibur est content. Bref, donc voilà, donc en tout cas, on va pas perdre plus de temps que ça. Ce qu'on va faire, c'est que ben, on va aller directement sur le tirage au sort. Alors du coup, ce sera sur un site, de toute façon, je vais vous le faire voir. Donc c'est sur un site, et on va faire le petit tirage au sort pour voir qui est le gagnant. Voilà, voilà. Donc eh bien écoutez, j'espère que ben, comme je vous dis d'habitude, hein, il y a un gagnant, il y a des perdants, et puis bon, bah là, cette fois, ce sera peut-être le gagnant qui avait perdu avant, et il sera peut-être très content. Donc voilà, donc bah, tant mieux pour la personne qui va gagner. Et puis voilà, puis la prochaine fois, ce sera vous. Et puis, bah, continuez à me suivre, il n'y a pas de souci. J'essaye d'être le plus proche possible de vous. Là, je suis en vacances actuellement, c'est vrai que j'essaye en plus de vous sortir des petites choses un petit peu en dehors de Warframe. Sachant que ma chaîne reste quand même principalement Warframe, je tenais à vous rassurer aussi. Mais ça fait du bien de changer aussi un petit peu, et c'est pour ça que je vous fais d'autres vidéos. Là, je vais peut-être vous faire un let's play sur Dead Rising 3, avec Cloud, un gars de mon clan. J'avais envie de vous faire ça, ça change un petit peu. Et puis, ben, dès qu'il y aura du contenu sur Warframe, ou même des choses à faire, il n'y a pas de souci. J'ai vu que vous m'avez proposé certains builds à faire. Il n'y a pas de problème, je vais vous les faire, il n'y a aucun souci. Et puis ben n'hésitez pas à me parler sur Twitter si vous avez des petits problèmes ou même déjà vous abonner sur Twitter aussi. Je vous dis Facebook aussi, mais Facebook je le suis un peu moins. J'y répondrai aussi, mais je suis un peu moins sur Facebook. Je préfère vraiment Twitter ou même bon bah du coup YouTube pour ça. Donc voilà, donc sinon ben le clan recherche toujours des personnes qui veulent nous rejoindre, il n'y a aucun souci, il nous reste encore une quarantaine de places. Donc vous êtes les bienvenus, il vous faut simplement Mumble pour participer avec nous. D'ailleurs en ce moment on est très raide, on essaie de faire des petits records. Là on va essayer de battre notre record personnel qui est, enfin, on va essayer de battre un gros record pour nous, hein, ça serait super, c'est de dépasser les 100 vagues en T4 défense. Ce qui est faisable, hein, effectivement, puisque là, on était bien parti hier, et puis du coup, bon, il y a eu une petite déco intempestive de Angélix, donc voilà, vous sentez un peu l'énervement tout de suite. Donc déjà, quand ça faisait plus d'une heure et demie qu'on était en défense, on était dégoûté. Mais bon, c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, c'est comme ça. Donc non, je n'en veux pas, après la co, ça lâche, hein, on peut rien y faire, c'est comme ça. Bon, ce qui fait juste chier, c'est de plus avoir les loot quand même pendant une heure et demie. On avait quand même pas mal encaissé. Mais voilà, donc sinon, bon, je vous ferai voir une petite vidéo où on a fait 60 vagues en T4, toujours en T4 défense. C'est pas forcément très extraordinaire, mais c'est toujours plaisant à voir, et voilà, donc il y a toujours un peu plus d'enjeux. Donc voilà, donc n'hésitez pas, en plus on est assez nombreux sur le Mumble. On essaye déjà d'être de plus en plus nombreux, et ça c'est franchement sympa, parce que du coup ça crée vraiment un lien entre nous, et c'est top.
Également, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, donc là, vous voyez bien Nova sur le toit du monde. Et oui. Donc, c'est un bug dojo. Et si vous êtes motivé, si vous avez envie que je vous fasse voir cette petite vidéo avec plein de bugs partout, il n'y a aucun souci. Après, voilà, nous, on s'est dit, tiens, c'est marrant. Et puis, en plus, ça n'altère en rien le fonctionnement du jeu, puisque c'est dans notre dojo, ce n'est pas en partie, on n'exploite pas des bugs. Puisque là, on les exploite pas, c'est juste pour notre délire. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur les bugs du dojo qu'on a et sur lesquels on s'amuse, il n'y a pas de souci, je vous l'ai fait. Voilà, voilà. Donc eh bien écoutez, moi je vous dis à bientôt puisque du coup moi je vais vous laisser ici, on va faire ce petit tirage au sort et puis je vous reprends juste après. Voilà, donc même pas à bientôt, je vous dis à tout de suite. Allez, à tout de suite. Et donc du coup, on se retrouve sur le tirage au sort. Et oui, donc comme je vous disais, c'est sur un site en ligne. Parce que effectivement, j'ai perdu mon petit logiciel. Bon, après, c'était pas pour le coup de le retélécharger, mais bon, j'avais eu des soucis avec. Bon, bref. Donc du coup, on va le faire là. Donc voilà, vous voyez qu'au niveau des résultats, erreur désolé, hein, puisque c'était vide et invalide. J'ai rajouté tous vos noms. Et oui, de tous les gagnants, enfin de tous ceux qui ont dit la bonne réponse. Donc il y a bien Brick Squad, Bob Marley, Thomas, Vauban. Je vais faire dérouler parce que si je vous dis tout, on n'a pas fini. Et vous voyez Juba, il va être content. Juba, il est là, Juba, parce que Juba il est souvent peur. Il fait ouais, je gagne jamais. Enfin bref. Donc voilà, Juba, tu es bien là. Donc on a Elijah, on a Arthur, on a Kira, on a Maxime, on a Pacro. Pacro Cronenbourg. Non, désolé, c'était un peu nul. On a Pro du Diabolo, on a Fabien, on a Bionix. Voilà, on a beaucoup de personnes, on a Mathias, voilà, Monsieur Posito. Eh oui, ça me fait penser à Pepito Posito. Bon, après, je me fous pas de ton pseudo, loin de là. Mais du coup, voilà, ça me faisait penser à ça, ou Pizza peut-être. Enfin bref, c'est les deux Z en fait qui font un truc bizarre. On a Elliot, voilà, Inextremus qui est connu. On a mon petit Luvios, et oui, Luvios que j'apprécie beaucoup. Notre petit Rastai, voilà. On a notre River aussi qui est là, voilà, il y a à peu près tout le monde, enfin à peu près tous ceux qui ont mis leur bonne réponse. Donc voilà, donc vous voyez, vous êtes tous dedans, tous ceux qui ont dit les bonnes réponses sont dedans. Et puis écoutez, on va arrêter de parler parce que franchement, je sais que vous êtes en train de baver devant l'écran à dire qui va gagner, à qui vont être les 1500 platines, et je suis d'accord avec vous, franchement je parle trop, et vous savez quoi? Eh ben on va y aller. Donc j'espère que vous êtes prêts mes amis, parce que là, c'est un tirage au sort unique. Donc ça veut dire que là, sur le côté, la petite personne qui va tomber, eh ben elle va avoir le sourire. Donc j'espère que vous êtes prêts, parce qu'on part à 5. Eh oui, on va faire un décompte comme si on faisait décoller la fusée. Donc 5, 4, 3, 2, 1, POUM! Et c'est Adricrid qui vient de gagner 1500 platines. Donc Adricrid, bravo à toi. Tu viens de reporter face à tout le monde ces 1500 platines pour cette petite FAQ des 5000 abonnés. Donc eh bien écoute, j'espère que tu seras content. Et puis pour les autres, hein, vous savez très bien que vous gagnerez la prochaine fois. Si ça se trouve, Adricrid, j'ai du mal, avait peut-être envie de gagner il y a un bail. Hein, ça fait peut-être un an qu'il voulait y jouer, et puis enfin qu'il a joué et puis qu'il gagnait pas, et ça lui faisait chier. Et là du coup, il a gagné direct. Et ouais, ça c'est ce qui s'appelle avoir de la chance, d'être sorti du lot comme ça. Donc voilà, donc eh bien écoute, bravo à toi, n'hésite pas à venir me voir. Alors, parce que du coup je ne sais pas si tu es PS4 ou PC, donc il va falloir me dire, parce que soit il faut que je me connecte sur la PS4 pour t'envoyer les platines, ou soit du coup sur PC. Donc il faut me dire très rapidement, tu me le dis en message privé sur... notamment sur Twitter ou sur YouTube ou même sur Facebook. Enfin bref, t'essayes de me joindre sur ces trois réseaux sociaux. Et puis on prend contact ensemble pour que je te donne tout ça. Voilà. Donc bien écoutez, c'était bon enfant. C'était très sympa. Et puis bon, comme je vous disais tout à l'heure, vous regagnerez sans problème. Voilà voilà, donc bien écoutez, mes petits loups, mes petits anges ténus. Et on va se revoir très vite parce que moi j'ai une petite vidéo à vous faire voir sur notre petite T4 défense. Et puis j'aurai d'autres petites vidéos et il y a un let's play sur Dead Rising 3 qui arrive. Voilà, allez, moi je vous dis à bientôt, c'est Cassix. Ciao, ciao.